Vous aviez raconté un moment de frénésie il y a plusieurs années, vous étiez mise à écrire, vous étiez en vacances à l'île Maurice, à écrire des dizaines de textes de chansons, c'est bien ça? Et il y en avait une pour Johnny. Oui, qu'il a enregistré d'ailleurs, qui s'appelle Elle s'en moque, qui est dans l'album je ne sais pas lequel, j'ai déjà oublié. Mais ce sont des textes qui me sont tombés dessus, quoi. Parce que quand on commence à. Quand on est dans l'eau et qu'on dit attends, j'étais avec ma sœur, attends, faut que je rentre écrire quelque chose, et qu'en 10 minutes on écrit un texte, alors qu'on n'a jamais écrit une chanson de sa vie, c'est un truc vraiment envoyé de. Puis ça s'est arrêté comme ça avait commencé. Ça s'est arrêté avec la chanson de Johnny d'ailleurs. Comment c'est passé justement dans les mains, puis dans les oreilles de Johnny? Vous l'avez appelé? Comment c'est fait? C'est-à-dire que moi, j'ai appelé Jean-Claude Camus. Le producteur. Mais voilà, du coup, j'ai écrit une chanson, j'ai expliqué la situation et j'ai dit, bon, voilà, qu'est-ce que je fais? Mais il me dit, on est en train de chercher des textes que je ne pouvais pas imaginer, je n'étais pas du tout au courant. Ben, tu l'envoies. Je l'ai envoyé à Johnny qui m'a dit, Mimu, c'est top. Et un jour, je me suis dit, bon, ça allait comme ça. Et un jour, il m'appelle, il était à Londres, il me dit, écoute, Mimu, c'est ta chanson, je suis en studio. Il me fait écouter la chanson avec sa voix. Et puis un jour, je monte dans son Bentley, il me dit, écoute, Mimu, c'est ta chanson. Et j'écoutais, et moi, je me revoyais. Je voyais Johnny en noir et blanc quand on regardait la télé. Je me disais, mais c'est irréel, quoi. C'est quelque chose, je sais que vous me le dites, je sais que ça existait, puisqu'on peut même le morceau écrire. Et la chanson écrite en 10 minutes sur un coin de table. Ah oui. Muriel Robin, ça s'appelle Elle s'en moque. C'était sur l'album Ma vérité, sorti en 2005. Extrait. 40 ans ont passé, je n'ai jamais triché, j'ai tout fait, tout défait, je n'ai rien à regretter. Vous n'en revenez toujours pas, Muriel Robin? Non, je n'en reviens pas parce que je me vois dans l'avion du retour de cet endroit où nous étions et tout d'un coup, il y a des mots qui m'arrivent, un truc. Comment je peux imaginer? Je ne peux pas décider d'écrire une chanson pour Johnny. J'ai un sens quand même de qui est Johnny et de qui je suis. Donc, et ça vient, les mots viennent, j'arrive à la maison, mais vraiment, je jette mes valises, je prends une feuille de papier, clac, 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 clac. 10 minutes après, elle était écrite. Et maintenant, elle est enregistrée. Bonjour, Angèle.